kombo na Yesu ezago. Nanyango akokani na yo. Mokote papa, mokote papa. Kombo na Yesu ezago. Ebiki sakaba eli. Nanyagwako kani na yo. Neto lama yaya. Le nom de Jésus est. Dieu a mal au cœur. Dieu a mal au cœur. Lorsqu'il remarque et voit toujours ses enfants demeurer dans la même position qu'ils étaient, Dieu a mal au cœur. Lorsqu'il voit un chrétien qui allait à l'église pendant un an, deux ans, trois ans, qui demeure pareil, Dieu a mal au cœur. Souvent, j'entends parler des personnes, mon cœur se serre. Vous savez, le prophète, c'est le cœur de Dieu. Donc, quand mon cœur se serre, ça veut dire que le cœur de Dieu est en train de se serrer. Dieu a mal au cœur. Quand il vous écoute parler, Dieu a mal au cœur. Quand il vous voit dans la même position que vous étiez, avant que vous ne soyez baptisé, avant que vous ne soyez chrétien, vous avez accepté le Seigneur, vous avez été baptisé par immersion, vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez été conduit dans une église vivante, vous avez écouté les messages. Il y en a qui connaissent le nom de tous les personnages de la Bible. Mais quand Dieu regarde ce type de personne, Dieu a mal au cœur. Vous savez, ce verset révèle que aucun de nous n'est encore converti. Ce verset, ce petit verset que nous venons de lire. Lève-toi. Dans un autre passage, il est écrit, ici on dit, lève-toi, sois éclairé. Dans un autre passage, il est écrit, lève-toi et brille. Brille. Lève-toi. Sois éclairé. Ça c'est un. Lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Quand est-ce que vous allez croire? Vous allez arrêter de. Vous allez cesser de croire. Que vous n'êtes pas pauvre. Que vous n'avez pas de problème. Quand est-ce que vous allez arrêter de croire en ce que vous êtes aujourd'hui? Parce que la position que vous occupez aujourd'hui ne vous plaît pas. Et à chaque fois vous vous plaignez. Quand est-ce que vous allez arrêter de croire que la vie que vous menez actuellement n'est pas la vie que Dieu même souhaite que vous vivez? Et quand est-ce que vous allez cesser de croire que vous... Vous voyez, je vais vous dire une chose. Dans ce passage, vous voyez, si vous n'avez pas l'œil spirituel, l'oreille pour entendre, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas d'oreilles. Tout est bouché des deux côtés. Donc, ils n'entendent rien, ils ne comprennent rien. Que celui qui a des oreilles, ce matin, entend. Vous êtes venu, tel que vous êtes à l'église. Vous avez accepté le baptême d'eau, Jésus-Christ. Mais votre vie n'a pas changé. À cause de votre compréhension, à cause de vous-même. N'accusez personne. Je vous ai dit que chaque leader spirituel a son alliance avec Dieu.
chaque homme de Dieu qui est fondateur a reçu un appel. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné une alliance. Et ici, toute la grande famille, l'église puissance de la résurrection, Dieu a appelé quelqu'un, Dieu lui a donné aussi une vision. Et cette personne a son alliance avec Dieu. Ici, notre alliance. Vous savez, nous ne croyons pas du tout qu'un sorcier peut attaquer un fils de Dieu. L'alliance que Dieu a faite avec moi depuis mon appel, ça n'existe pas dedans. J'ai été dans des églises, dans d'autres églises, dans de grandes églises, on a parlé des prophètes, éminents pasteurs, des puissants, éminents évangélistes. J'ai entendu ici en Côte d'Ivoire. J'ai été dans le culte. Je ne parle pas de tous, je dis certains. Sur la chair, pendant qu'ils prêchent, on les attaque. Le gars s'arrête. J'ai reçu une balle. Tu es là, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, tu veux me lancer une balle. Effectivement, la personne a lancé. Souvent, je suis assis, je vois les flèches passer. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a un leader spirituel qui est établi sur l'église? Je parle du leader des leaders, Jésus-Christ. Parce que si Jésus est établi sur une église, aucune flèche ne peut atteindre cette église. Il a dit, tout a forgé contre toi sera sans effet. Ah! Mais comment? Alors, une âme peut encore atteindre un fils de Dieu. Vous voyez, c'est pourquoi je dis, faites attention. J'ai entendu parler de ce grand homme de Dieu, je suis allé à son culte, on l'a attaqué, ils ont envoyé flèche, piaf. J'ai dit, ah, donc, si toi, homme de Dieu, tu as atteint, et nous les fidèles alors, c'est toi qui es censé nous protéger. Parce que la Bible dit, les hommes de Dieu sont le gardien de vos âmes. Nous sommes votre gardien, le gardien de vos âmes. Nous, on veille sur vos âmes, on veille sur vous. Si vous ne savez pas, je vous dis ça aujourd'hui. Nous, on veille. Je veille sur vous. Mon âme vous couvre, mon esprit vous couvre. Donc, étant le gardien, si le gardien lui-même l'a été boxé et il est tombé, alors le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il faut se chercher, hein? J'ai dit, mais alors, on va se chercher de cette église parce que le gardien, le maître lui-même l'a été fléché. Vous voyez? C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ça dépend de l'onction qui règne sur cette église. Ça dépend aussi du leader qui est établi sur l'église. Ici, assieds-toi en sécurité. Dors en sécurité parce que aucune flèche ne t'atteindra. Non! Ça n'existe pas ici. Je vous mets au défi. S'il y a un sorcier assis ici, j'ai été à Zito, je leur ai dit, j'ai été à Lakota, je répétais les mêmes paroles. Je dis, on vous dit que vous êtes expérimenté ici en sorcellerie. Venez attaquer, je suis là. Je vous attends. Qui se souvient à Zito? J'ai dit ça avant de commencer le programme. Vous étiez là, voilà. Vous étiez là, j'ai dit à Zito. J'ai dit, on dit, vous êtes sorcier. Le micro va très loin. Je leur ai dit, venez. Je suis là. Venez attaquer. Tu ne vas pas franchir cette porte-là. Une année, il y a un qui est venu ici, il a fui. Il a couru devant nous comme ça, un vieux. Il est venu se mettre devant nous gaillardement avec sa bague. C'est ça? C'est ça? Là, on était sous la bâche là. Il est venu là, un vieux. Pendant que je prêchais, il est venu comme ça. Il a commencé à tourner sa bague de rose-croix pour envoûter. Oh, Seigneur, j'aime ça. J'adore ça. Je cherche ce combat il y a très longtemps. Depuis que j'ai quitté Lakota, je ne fais plus de combat comme ça. Et donc, moi, je ne me suis pas occupé de lui. Je commençais à prêcher. Savez-vous ce qui s'est passé? Vous voyez, quand vous ne vous occupez pas de Satan, Satan disperse. Mais c'est quand il est là et puis vous êtes troublé. Oh, papa! Oh, oh, oh. J'ai fait un rêve, je l'ai vu. Oh, ma grand-mère est décédée. Oh, sorcier est venu. Non, non, non. Non, ça ne marche pas comme ça.
Il est venu, il tournait sa bague, je regarde, voici la bague de la rose croix sur son doigt. Est-ce que je l'ai calculé. J'ai commencé à prêcher. 5 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Ah non? Je ne sais pas quelle vitesse le monsieur a passé, en tout cas là. Quand il a décollé comme ça, là, les commandos l'ont pris dehors. Monsieur a dit non. Qu'est-ce qu'il a dit là? Qu'il y a le feu. Il y a le feu dans cette église là, je ne peux pas. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit donnez-moi le numéro de ce prophète là, je vais le croiser après. J'ai dit il fallait donner mon numéro. Peut-être qu'il croit que c'est ici. On va se croiser hors du camp. Et puis on va voir encore. Alléluia. Voyez, je suis dépassé quand certains pasteurs sont attaqués. Quand certains chrétiens que vous êtes sont attaqués. Non, j'ai reçu une attaque. Non! Aucun fils de Dieu ne peut recevoir d'attaque. Si tu as reçu des attaques, tu n'es pas encore fils de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Mais tu n'es pas fils. D'accord? Vous savez que enfant et puis fils, ça fait deux. Hein? Tu n'es pas fils, tu es enfant. Tu es encore bébé. Un fils de Dieu ne peut pas être attaqué. L'onction qui règne ici ne peut pas admettre que toi tu pries ici, tu sois attaqué. Je vous ai dit qu'on a été allé consacrer une forêt. Je suis pas. Vous voyez, la fois passée, j'ai rendu un témoignage ici. Je ne vois plus. Mais ceux qui ont vu le CD, vous demandez à la sœur Lydie. C'est ça qui a amené la sœur dans cette église. Ça a conduit beaucoup de personnes à être converties, ce CD-là. J'ai parlé de ça un mercredi ici. Séance de délivrance où tu vois les démons descendent dans la salle. Le démon de Poro, avec tous ses acolytes, ses agents, sont descendus. Ils ont tué le petit à la délivrance. Quand je priais pour lui vers la fin, ils ont coupé le souffle de l'enfant. L'enfant est mort. Bon, là, tu fais quoi? Je n'ai jamais vu une délivrance où je fais de grandes délivrances. Délivrance des sorciers, de grands mystiques. Mais je n'ai pas vu une délivrance où j'ai fait. Et puis je vois le sang. Pendant qu'on combat dans le spirituel, le sang sort sur le corps de l'être humain. Mais le petit, tout son corps était rempli de sang. Vous me connaissez ici, je ne touche pas l'homme. Vous faites délivrance, je n'aime pas toucher quelqu'un, poser les mains comme ça. Ça a distance, nous on traitait pour nous. Mais tout son corps était rempli de sang. Son corps. La sueur qui sortait, ça sortait du sang sur tout son corps. Ça, c'était ma première fois de voir une délivrance comme ça. J'ai fait délivrance, j'ai vu 1000 pas sortir d'une femme en bas d'elle. Ça, j'ai vu. Ça, c'était au Maroc ici. Ça, j'ai vu beaucoup de choses de ce genre-là. Mais sang, ah non? Le sang est sorti sur le corps de l'enfant. Quand je commande, le démon sort. Mais la chambre était remplie de démons, la présence. Parce qu'il y a des démons, quand ils sont présents, tu sens. Les païens, les fidèles ont senti la présence des démons, ils ont fui de la salle. Tout le monde a fui, ils m'ont laissé seul avec le caméraman. Lui s'est mis à la porte, je lui ai dit, si toi tu fuis, tu es cuit à moi. Donc il était obligé de se mettre à la porte là-bas pour filmer. Donc moi j'étais seul dans la salle parce que je voulais qu'il filme. J'étais seul dans la salle, si le démon allait me tuer, ça allait être un témoignage. Parce qu'il a tué un prêtre, il a tué un pasteur, il a tué un prophète. Oui, c'est pourquoi le jour où on emmenait l'enfant, sa maman est catholique, monsieur le pasteur, je ne veux pas que mon enfant vienne là-bas pour que vous priez pour lui, parce qu'ils ont failli me mettre en prison pour ça. Et 3 hommes de Dieu qui ont essayé de prier pour mon enfant sont morts. Mon prêtre, lui-même, il est mort. Un pasteur évangélique, il est mort. Un prophète évangélique est mort. Je ne suis pas en train de m'amuser. Hein. Vous voyez la délivrance, vous pensez que c'est de l'amusement. Hein. Elle a dit ça, je lui ai dit, madame, on va écrire avant que je fasse la délivrance. Si je meurs, n'ont qu'à te laisser en paix. Et j'ai dit à toute mon église, j'ai dit, quand je vais commencer, si je meurs, ne reniez Jésus toute votre vie. N'allez plus à l'église. Devenez païen. C'est que Jésus n'est pas vivant. Mais si ce témoin est sorti, vous êtes condamné à accepter Jésus. Je n'ai pas dit si. J'ai dit, quand ce démon va sortir,
quand la prière a commencé, j'ai dit, je n'ai pas combat à faire avec toi. Je suis venu te frapper, te terrasser, parce que depuis la croix, tu as été vaincu. C'est tout. Quand il a commencé ses grimaces, il bondit quoi, le petit, il est ici. Le gars, il est ici, il est musclé. Quand il bondit quoi, il est vers le bois là-bas. Quand il sait, le poro là, quand il bondit quoi, il est là-bas. Et puis maintenant, il commence à prendre des trucs grognant, ouvrant ses yeux. Quand il y a tout le monde, ça veut dire qu'il veut m'attaquer. Il est là, mais non. Viens. J'aime ça là. Alléluia. J'adore ça. Mais quand j'envoie la main comme ça, il se lève encore. Quand il me tout son corps était rempli de la sueur qui sortait là, ça sortait du sang. Moi, j'ai cru au début qu'il était blessé, mais il n'était pas blessé. Tout son corps était rempli de sang. Ce démon-là, avant qu'il ne sorte, il y a un qui s'appelle Gorbatchev, le chef même en question. Lui, il est Mongol, pour Mongol coin. Il m'a regardé, il dit, je vais te créer problème, on s'en va. Mais je vais te créer problème ce matin-là. Je vais tuer l'enfant. Je lui ai dit, Dieu merci, parce que j'ai le pouvoir de ressusciter celui qui est mort. Donc tu n'as rien fait. Il y a un enfant qui est mort à Divo à 16h. Je causais avec le démon. À 16h, ils ont envoyé l'enfant à 4h du matin. Ça dit que l'enfant a commencé à s'enfler. Pourri. J'ai prié pour l'enfant. L'enfant est ressuscité. Aujourd'hui, l'enfant me dépasse de taille. J'ai prié pour un monsieur qu'on appelle Alibi. Il était mort. Dieu l'a ramené. J'ai prié pour une jeune fille qui s'appelle Matt. Au téléphone. Voilà. Voici celui qui... Oui, faut te lever. C'est lui qui m'a appelé au téléphone. Quand Matt était mort, c'est lui qui m'a appelé. Il était musulman, c'est ça qui l'a converti. Il m'a appelé au téléphone. J'ai commandé au téléphone. Le mort est ressuscité là-bas. Donc, je n'ai pas peur. Si tu meurs, si tu le tues, je vais ramener son âme en vie. Parce que Jésus est vivant. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Ouf, on coupe le souffle de l'enfant. L'enfant meurt, effectivement. J'ai dit, ah, ça c'est mon ancien travail. Poser les mains, j'ordonnais, commander, j'ai ramené l'âme de l'enfant. L'enfant a respiré, l'enfant s'est levé, l'enfant s'est tenu debout. Si tu ne crois pas en Jésus, tu es un chaos. C'est que toi, tu n'es pas encore né. Jésus est réellement vivant, frère. Je ne suis pas en train de te blaguer. Jésus est réel. Voici un marabout qui s'est converti. Un ex-marabout. Un ex-musulman. Parce qu'il a vu la puissance de Dieu au-dessus des fétiches. Esaïe a dit ça, ça fait des milliers d'années. La lumière n'est plus en train de venir. La lumière est déjà arrivée. Vous l'avez reçue. Mais c'est comme une arme que vous avez en main. Quand vous avez un fusil en main. Et qu'on a chargé le fusil, on vous a remis, on vous a montré comment il faut appuyer la gâchette. Et que vous n'avez pas appuyé, que le gangster arrive, et qu'il arrive en face de vous, vous n'appuyez pas, il arrive, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tuer. Parce que s'il a été le premier à appuyer sur la gâchette, vous mourrez. Qu'attendez-vous pour appuyer sur la gâchette? On vous dit que vous êtes glorieux. On vous dit que vous n'avez pas de problème. Mais vous refusez chaque fois, vous dites vous avez problème. On vous dit que vous n'êtes pas malade, vous dites vous êtes malade. Toujours en train de déclarer la maladie sur vous. On vous dit que vous n'êtes pas né dans une famille pauvre. Vous déclarez tout le temps que vous êtes pauvre. Écoute ce matin, la lumière est arrivée. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Plus de chèques, plus de maladies. Lève-toi et prie. 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 Il n'y a plus de problème. Ah! Est-ce que quelqu'un m'écoute? Le temps est arrivé, frère. Ne te laisse pas induire en erreur. Ne laisse pas le diable te mentir. Ne laisse pas le diable te mentir. Il te donne des informations. Te fait croire que tu as un problème. Tu n'as pas de problème. Regarde devant toi une femme qui a réussi. Regarde devant toi chaque matin un homme qui est en train de prospérer. Ce que tu vois va se manifester. Je vous donne des messages.
prenez au sérieux ces messages. Ce que je prêche, on ne le prêche pas partout. Je n'ai pas pigé mon message de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui me le communique. Et quand tu saisis cela, ça transforme ta vie. Si toi tu ne connais pas la valeur de ça, beaucoup en connaissent. J'ai été partout. Les gens ont apprécié mes messages. Ils ont reçu quelque chose. Prends ton bic, métier écrit. Faudrait que ça entre dans ton cœur. Marche en fonction de ça. Parce que tu ne trouveras pas ça quelque part. Il faut rien suivre. On te fera croire que non, la bénédiction va venir. Mais nous, moi je te dis, c'est venu. C'est ton manque de savoir qui fait que tu ne sens pas. Sinon, ça est là. Tu es là, tu vois toujours les problèmes devant toi. Tu es en train de créer les problèmes. L'être humain se façonne lui-même. Tu es en train de créer des problèmes toi-même à ta propre vie. En te jouant malheureux, en te jouant les pauvres, les gens qui font pitié. Or, la Bible te dit clairement ici, lève-toi et bouge. Car ta lumière, vous connaissez ce qu'on appelle la lumière? La lumière a été créée pour faire quoi? Pour chasser les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est quoi? C'est le manque de travail. L'échec. La maladie. D'accord? D'accord? La pauvreté. Tout ça sont les rangs. Ça est dans la famille des ténèbres. Et la Bible dit, Dieu a vu ça. Et Dieu fait venir une lumière sur toi. Donc quand la lumière arrive, qu'est-ce que c'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu. Quand la lumière arrive dans ton cœur, il n'y a plus de place pour les ténèbres. Quand je parle de ténèbres, je parle de pauvreté, je parle d'échec, je parle de maladie. Quand la parole de Dieu descend de ton esprit, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de pauvreté, il n'y a plus de stérilité. Tout ça sont chassés. Et la parole de Dieu prend l'ampleur en vous. Quand elle prend racine en vous, tout ce que vous faites réussit. Sauf un l'a dit. Il dit, heureux celui qui garde la parole. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Gardez la parole. Mettez la parole en vous. Marchez sur la parole. Pierre a dit sur ta parole. J'ai jeté le filet toute la nuit. Je n'ai rien pris. Mais Seigneur, sur ta parole, je jeterai le filet. Quand Paul, Pierre a jeté le filet, il ne pouvait plus tirer le filet. Parce qu'il y avait trop de poissons dans le filet. Tu as échoué. Et c'est la parole. Prends la parole de Dieu au sérieux. Lève-toi et brille. Tu as vu cette lumière. Tu as vu cette parole, par exemple. Et puis tu es là. Tu es toujours le même chose. Quand tu sors de l'église, tu es comme ça. Oh, Dieu vient te dire par ce passage que brille, lève-toi. Quelqu'un qui se réveille, c'est pas quelqu'un qui se tait. Quelqu'un qui se réveille, c'est pas quelqu'un qui se fait encore pitié. Quelqu'un qui se réveille, c'est pas quelqu'un qui se voit encore en train de dormir. Quelqu'un qui se réveille, il doit parler. Quelqu'un qui se réveille doit marcher. Il faut marcher maintenant. Il faut parler maintenant. Marche tête haute. Dis-toi que le miracle est fait. Ne regarde plus l'échec. Même si l'échec est présent devant toi, bannis cela. Parce que écoute, 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais à terre. Il sera à tes côtés. L'échec va venir à tes côtés, mais il ne va pas t'atteindre. La maladie va venir à tes côtés, mais elle ne va pas t'atteindre. La pauvreté va venir à tes côtés, elle ne va pas t'atteindre. Parce que tu passeras sur lui, tu ne seras jamais à terre. 10 000 à ta droite, 1000 à ta gauche, tu ne seras jamais à terre. De tes yeux, tu regarderas la rétribution des méchants. Tu regarderas comment ils vont se terrasser. Tu vas regarder les chutes. Tu vas regarder les chutes. Tu vas regarder comment ils vont tomber. Toi, tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Ne vis pas à travers les hommes. Ne vis pas sur ce que les gens disent. Ils peuvent te dire que tu ne vas pas. Ils peuvent te dire que tu ne peux pas. Mais Dieu dit ce matin que tu peux et que tu vas arriver. Et tu es arrivé à Canaan. Lève-toi, prie. J'ai tout le chemin que je dois suivre. Le chemin de la vérité. Le chemin de la vérité. J'ai trouvé le chemin. J'ai trouvé moi mon chemin. Mon chemin de gloire, je l'ai trouvé.
c'est en Jésus-Christ. Sur la parole de Dieu, j'ai trouvé mon chemin de guérison. C'est la parole de Dieu. J'ai trouvé mon chemin de santé. C'est la parole de Dieu. J'ai trouvé mon chemin de prospérité. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu en vous. La parole fera ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle fera de vous des grands, vous serez grands. Elle a dit qu'elle fera de vous des personnes en pleine santé. Vous êtes en pleine santé. Écoute, n'attends pas, écoute, quand tu lis la Bible, n'attends pas que la parole vienne te trouver. Va à l'encontre de la parole. Va à l'encontre de la parole. Dieu a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. N'attends pas de voir une prospérité pour dire, oh Seigneur, merci. Non, lève-toi, va à l'encontre. Commence à te considérer comme un homme prospère. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu a dit, Dieu n'est pas menteur. Dieu, tu as dit que je suis prospère. Gloire à Dieu, je le suis maintenant. Merci Seigneur. Et tu marches comme un homme prospère. Et tu danses comme un homme prospère. Alors tu seras prospère. Alléluia. Ne te fais plus pitié. Refuse la mentalité de pauvreté. Refuse la mentalité de maladie. Satan est un menteur. Il te fait croire que tu es malade. Tu n'es pas malade. Il te fait croire que tu es pauvre. Tu n'es pas pauvre. Ton Dieu te dit ce matin, tu n'es pas pauvre. Tu n'es pas pauvre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je ne suis pas ici pour me faire plaire. Je ne veux pas attirer le regard de quelqu'un sur moi. Mais je vais attirer le cœur de quelqu'un sur mon message. Il faut que tu comprennes ce que je dis à ton esprit ce matin. Je suis un être humain, je ne sais pas prêcher. C'est le Saint-Esprit qui te parle ce matin. Et si tu as un cœur pour saisir ce que l'Esprit te dit, alors écoute ce que l'Esprit dit à son Église. L'heure est arrivée. Il faut que vous vous leviez. Levez-vous maintenant. Arrêtez de vous faire soir, de vous faire maltraiter par les gens. En train de vous plaindre des autres. Mon père fait ceci. Mon frère fait cela. Ma soeur ne veut pas que j'évolue. Ma grand-mère m'attaque. Ma grand-mère. Ma grand-père. Arrête ça. Cherche la face de ton Dieu. Ton Dieu a déclaré une parole sur toi. La prophétie a son terme. Et si tu t'amuses, cette prophétie va te dépasser pour aller chez quelqu'un d'autre. Saisis la prophétie. Dieu dit tu es prospère. Rends-toi prospère. Dieu dit tu es guéri. Lève-toi, tu es guéri. Dieu dit tu es béni. Lève-toi, tu es béni. Ne te refuse plus. Ne refuse plus la parole qui vient à toi. La parole dit lève-toi et prie. Tu pries maintenant. Tu pries maintenant. Tu pries de tes entreprises. Prie de ton travail. Prie de ton mariage. Prie dans le pays où tu es. Prie dans la famille où tu es. Tu pries. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'écoute? Oh my God! Oh my God! Oh my God! La semence, il faille que cette semence accepte d'ouvrir la bouteille pour que la semence descende. Creuse ton sol pour que la semence descende. Les gens envoient des graines pour que le pays, le village entier puisse cultiver les graines d'arachide. Mais il faut que le terrain soit nettoyé. Parce que si le terrain n'a pas été nettoyé, les graines d'arachide n'auront pas un lieu posé. La bénédiction est arrivée. Ouvre ton cœur pour que la bénédiction descende en toi. Crois cette parole que je te prêche ce matin. Par le biais du Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Écoute-moi très bien. J'ai vu quelqu'un croit en cette parole. Quelqu'un croit en cette parole. Elle était servante dans une maison. Elle servait, lavait les assiettes des gens. Aujourd'hui, elle se retrouve aux États-Unis parce qu'elle a pris cette parole au sérieux. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Peu importe ta position, là où tu es ce matin, Dieu ne fait rien avec cela. Tu as toujours besoin d'un nouveau commencement. Donc si tu es pauvre, tu es malheureux en ce moment, tu as besoin de ça pour travailler. Parce que tu as pris un seul poisson, un seul pain pour nourrir 7000 hommes. Est-ce que tu m'entends ce matin? Ta position actuelle où tu te trouves, tu es malheureux, tu es pauvre, tu es malade,
Tu vas se servir de ça pour se glorifier sur la terre des hommes. Sur la terre des hommes. Moi, Seigneur, je vous mets trop large, je t'ai cherché.